C'est le début de la partie 2 de notre module sur BAL 1 et BAL 2, les règles quantitatives, qui passe en revue le cadre de la réglementation des fonds propres bancaires sous BAL 1 et BAL 2, analyse en détail les règles quantitatives contenues dans ces normes, illustre certains des principales faiblesses et incohérences de ces normes et résume certains des changements susceptibles actuellement à l'étude par les autorités de Bâle. Nous vous rappelons que cette partie 2 contient trois chapitres. Le chapitre 3, qui résume les règles et les calculs qui sous-tendent Bâle 2 et ses principales faiblesses et limites qui subsistent. Le chapitre 4 résume les modifications en cours d'examen par les autorités de Bâle, parfois abusivement dénommées Bâle 3. Et le chapitre 5 qui contient le quiz. Ce chapitre 3 résume les réglementations et les calculs qui sous-tendent Bâle 2, met en évidence les différences principales avec Bâle 1 et pourquoi ces différences ont été jugées nécessaires et discute les faiblesses et limites subsistantes de la nouvelle norme. Nous vous rappelons d'abord que nous nous concentrons principalement dans ce chapitre sur l'approche standardisée de Bâle 2 et nous discutons brièvement sur les alternatives de l'approche fondée sur les notations internes vers la fin. Un ensemble complet de réglementations pour Bâle 2, comprenant diverses interprétations et documents supplémentaires, couvrant plusieurs centaines de pages, mais ne peut être analysé en profondeur dans ce module. Les responsables nationaux de surveillance dans les principaux pays ou territoires ont également publié les lignes directrices de mise en œuvre qui ajoutent plusieurs centaines de pages de plus à ces règles. Les banques doivent satisfaire des critères qualitatifs et des procédures pour être éligibles à la réglementation dans le cadre des approches de notation interne. Une grande partie de ce cours sera discutée dans des modules plus spécialisés, mais peut transmettre l'essentiel de Bâle 2, et en particulier l'approche standardisée, dans un temps raisonnable au cours des diapos suivantes. L'approche standardisée commence par diviser des expositions vis-à-vis des emprunteurs souverains, des banques, des entreprises, la petite clientèle et des titrisations. Le tableau classe les pondérations de risque pour les emprunteurs souverains. Nous pouvons interpréter l'évaluation de crédit dans le tableau pour notre propos pour désigner la notation externe de crédit de S&P, Moody's ou Fitch, bien que d'autres organismes de crédit sont considérés comme acceptables en fonction de leur crédibilité et de leur méthodologie. Le changement principal que vous auriez noté est la disparition de moniteur de l'OCDE dans la détermination de la pondération et son remplacement par une notation de crédit souverain. Et l'introduction aussi d'une pondération de 150 pour les emprunts souverains notés en dessous de B-. Bien que, sans aucun doute, il s'agit d'une amélioration par rapport à Bâle 1. Elle ne différencie pas suffisamment entre les États en raison d'une différence considérable de la qualité de crédit.
Un état noté B- ne nécessite que 5 fois autant de fonds propres que notation A+, alors que le taux de défaut pour 5 ans historiquement pour les anciens a toujours été d'environ 20 ou 30 fois plus élevé que pour ce dernier. Également, un état non noté a une meilleure pondération du risque, c'est-à-dire inférieure qu'une notation inférieure à B-. Néanmoins, les chiffres dans la matrice sont améliorés par rapport à l'approche de Ball 1, deux tailles pour tous, et les approches de notation interne fournissent la différenciation basée sur le crédit. Le tableau suivant énumère les pondérations de risque pour les expositions des banques. Les autorités de régulation nationale ont le choix entre l'une des deux alternatives au sein de leur pays. Option 1 et option 2. Dans le cadre de l'option 1, une banque porte exactement une pondération d'une catégorie supérieure à celle de son souverain. La logique de ceci est le soutien explicite ou implicite du gouvernement que les banques attendent du souverain dans les moments difficiles. Option 2 concerne la pondération du risque de la banque directement à sa propre notation de crédit externe et continue le traitement préférentiel de Ball 1 aux créances à court terme contre les banques, bien qu'elles définissent maintenant à court terme inférieur à 90 jours contre un an dans Ball 1. Pour les sociétés, les pondérations au risque sont celles qui apparaissent sur le tableau suivant. Encore une fois, se révèle une plus grande différenciation par rapport à Ball 1, mais reste encore moins économiquement appropriée et permet à nouveau aux entreprises non notées de bénéficier d'une pondération de risque faible plutôt que celle classée faible. Les investissements titrisés sont pondérés selon les tableaux suivants. Notons l'inclusion spécifique de notation à court terme, ici, attribuable au fait que la quantité de papier titrisé émis par des conduits de papier commercial asset-backed et ne dispose que de notation de crédit à court terme ou qui représente la tranche de la plus petite échéance des titrisations d'automobiles ou tout autre titrisation de consommation conçue pour faire appel au fonds du marché monétaire. Notons également, plus important que la pondération de risque de 350% qui s'applique aux tranches notées 2B, que ce soit avec plus ou moins ou non qualifié, reflétant l'opinion réglementaire que ces tranches contiennent un pourcentage élevé de risque de crédit du portefeuille d'origine sous une forme comprimée, ne peuvent pas donc être traitées comparablement de la même façon que pour les obligations notées émises
par les États, les banques ou les entreprises. La pondération de risque de 350% lorsqu'elle est multipliée par l'exigence minimale de fonds propres de 8% conduit à une exigence de fonds propres de 27% de leur valeur. De la même façon, les tranches notées, même inférieures à BB- ou pas du tout notées, sont déduites des fonds propres, c'est-à-dire les fonds propres qui leur sont alloués représentent 100% de leur valeur. C'est la façon que le responsable de la surveillance dit que de tels investissements sont si risqués et donc si susceptibles de faire défaut et de récupérer zéro, que la chose la plus sûre à faire serait de les annuler complètement dès qu'ils sont achetés. Toute bonne surprise de la performance après la date d'achat continuera son chemin via le compte de résultats, puis dans les bénéfices non répartis, et par conséquent dans les fonds propres tier 1 et les fonds propres globaux. Parfois, vous entendrez dire qu'on attribue à cette catégorie une pondération de risque de 1250%, un nombre qui, multiplié par 8%, conduit à des exigences de fonds propres spécifiées de 100%. Tout ceci devient très vite ennuyeux, comme vous l'avez sans doute conclu. Nous terminons cette discussion en mentionnant que les prêts hypothécaires aux particuliers attirent maintenant une pondération de risque de 35% seulement contre 50% sous Bâle 1, à condition qu'ils répondent à certains critères, et que d'autres expositions de détail, telles que celles des cartes de crédit et les prêts à versement, attirent maintenant une pondération de risque de 75% contre 100% sous Bâle 1. Un autre changement très important, introduit dans l'approche standardisée, est l'élimination du facteur de conversion en équivalent crédit zéro à court terme de lignes de crédit non utilisées, qui attire maintenant, dans la majorité des cas, dans l'approche standardisée, un FCEC de 20%. Par ailleurs, les facteurs de conversion en équivalent crédit de Bâle 1 sont restés les mêmes dans le cadre de l'approche standardisée, y compris ceux pour les produits dérivés qui continuent à être établis sur la somme de l'exposition actuelle plus l'estimation de l'exposition potentielle future spécifiée dans la matrice que nous avons vue sous Bâle 1. Plus intéressant encore, l'approche standardisée élargit considérablement les catégories de garanties, notamment les garanties financières qui peuvent réduire la pondération du risque de l'exposition. Nous énumérons les catégories reconnues dans une certaine mesure selon l'approche standardisée. Commençons par le cash ou espèces et l'or. Ensuite, les titres de dette notés, comme par exemple pour l'État qui est noté 2B- ou plus, ou autres titres notés 3B- ou plus. Rappelons que seulement les dettes souveraines ou quasi-souveraines sont éligibles sous Bâle 1. Les titres de dette principale non notés émis par une banque, s'ils sont inscrits sur un marché reconnu, et toutes les autres émissions bancaires sont notées 3B- ou plus,
Cette catégorie a été essentiellement ignorée sous BAL 1. Les actions ordinaires incluses dans l'indice principal ou inscrites à une bourse reconnue. Celles-ci étaient complètement absentes sous BAL 1. Les OPCVM, fonds communs de placement, où le prix est coté quotidiennement, et où les OPCVM fonds investissent uniquement dans les instruments ci-dessus. Compte tenu de la volatilité importante des prix de certains de ces instruments, cependant les décotes sont appliquées en vertu des règles pour convertir la valeur actuelle des garanties en un plus petit montant considéré comme sûr en termes de risque de prix, qui devient alors la base pour le calcul de la réduction de l'exigence de fonds propres. La critique de l'approche standardisée est centrée principalement autour, premièrement, comme nous l'avons vu, une défaillance persistante de différencier suffisamment entre les expositions de la qualité de crédit considérablement différentes et, inversement, des différences importantes dans les résultats pour les expositions qui portent la même notation de crédit avec des expositions titrisées notées 2B+, attirant une pondération de risque de 350% contre seulement 100% pour les États ayant une notation égale. Troisièmement, certaines de ces critiques sont moins pertinentes du moment où les banques passent de l'approche standardisée low-tech à celle qui est fondée sur les notations internes de la banque. Ainsi, nous concluons ce chapitre en examinant ces approches. Comme leur nom l'indique, les approches de notation interne s'appuient davantage sur les systèmes de notation de crédit interne des banques pour déduire l'exigence de fonds propres appropriés pour les risques de crédit. La principale différence entre celles qu'on appelle les approches simples et complexes est que, dans le cadre de l'approche simple, les banques doivent évaluer seulement la probabilité de défaut de l'exposition et ensuite imposent sur la réglementation bancaire les estimations de la perte en cas de défaut. Et, pour les engagements et les charges éventuelles, l'exposition anticipée en cas de défaut. Alors que, dans le cadre de l'approche de notation interne complexe, ces trois variables deviennent de la responsabilité de la banque. Il n'est pas surprenant, les banques qui aspirent à l'admissibilité dans le cadre de notation interne complexe doivent respecter des normes encore plus élevées que celles éligibles pour la notation interne simple. En échange, on s'attend que les actifs pondérés selon l'approche de notation interne complexe des banques se révèlent généralement inférieurs aux actifs pondérés selon l'approche de notation interne simple des banques. De même, les actifs pondérés dans le cadre de notation interne simple des banques se révèlent inférieurs aux actifs pondérés pour les banques adoptant l'approche standardisée. Ceci est conçu pour inciter les banques d'investir dans leur système de gestion de risque, de contrôle, de personnel, de données et de capacités quantitatives, et pour tenir compte que ces banques qui ont accompli des investissements nécessaires à juste titre dans ce domaine
ont besoin d'un faible montant de fonds propres pour les pertes inattendues que celles qui n'ont pas de système. Dans le cas où une situation est justifiée, étant donné la récente expérience de la crise financière de 2008 et 2009, qui a révélé qu'un bon nombre de banques les plus sophistiquées d'être singulièrement ineptes dans de nombreux aspects clés de la gestion des risques, c'est une question que nous léguerons à vous de prendre en considération. Nous passons un moment illustrant la complexité extraordinaire de certaines des formules en vertu des approches de notation interne qui vont apparaître encore un peu en face de vous. La formule qui convertit la probabilité de défaut interne dérivée de l'exposition de l'entreprise, de l'exposition de l'État ou de la banque en exigence de fonds propres, par le biais de deux autres formules qui reconnaissent aussi l'exposition de l'échéance, la corrélation probable à d'autres expositions, mais fondée uniquement sur la probabilité de défaut et sa perte en cas de défaut. Voici la formule principale et voici les formules relatives. Dans la formule principale, N se réfère à la distribution normale standard et le G à son inverse. Vous comprendrez rapidement pourquoi nous pensons qu'il est inutile de dépenser beaucoup de temps à explorer en détail la logique derrière ces formules, au moins dans le module actuel qui prétend offrir qu'une introduction à ce vaste sujet. Par conséquent, nous amenons à clôturer ce chapitre 3 et avec l'ensemble de la partie qui porte sur balle 1 et balle 2.